Non, je sais pas ce que c'est qu'un composteur. Compostage de billets. Oui, un composteur, c'est ça bien sûr, mais c'est aussi ça, puis ça, ça. Ouais, le compost, ok, bien vu. Ah non, c'est des gens qui font du compost. Non, mon appartement c'est pas très facile. Trop difficile de le faire à la ville. Mais j'ai vu qu'il y a des solutions même pour les appartements. Hein. C'est ce sont des bacs ou des compartiments et on trie tous ces produits. Tout à fait, on peut très bien composter en intérieur. Et puis, on peut composter en bas des immeubles, dans les jardins, dans les collèges, les restaurants, partout. Je composte depuis plus de 10 ans. Et oui, déjà un Français sur deux composte. En 2025, tous les biodéchets devront être recyclés. Ah bon? Comment les recycle-t-on, allez-vous me demander? Des trucs alimentaires. Des épluchures, mon thé, mon café. Je mets du broyage, je brasse tous les jours, j'arrose s'il y a besoin. Il y a des petits verres ou des choses comme ça qui favorisent le développement. À partir du moment où ils sont sur cet espace-là, il va se dégrader, il va devenir du compost. Ça nous permet d'avoir un apport de terre meilleur pour faire un petit potager dans le jardin. Un bon fertilisant et aussi une bonne boisson à faire déguster avec modération à vos orchidées, par exemple. C'est un travail qui ne prend pas longtemps et c'est très amusant. Puis c'est une action éco-citoyenne. Et comme de nombreuses personnes s'activent en France pour vous apprendre, alors n'hésitez pas à leur demander conseil. Le jardin, il est à côté de la cuisine. Du coup, hop. Moi, je ne suis pas encore une grande experte. Je mets les choses dedans et voilà. Si vous aussi n'y connaissez pas encore grand-chose et vous voulez tout apprendre sur le compostage, venez la semaine prochaine. Et là, on vous en dira plus, bien plus. Venez assister à Tous au compost, la semaine nationale du compostage de proximité, un peu partout en France, du 25 mars au 9 avril. Bon d'accord, c'est une semaine de 16 jours. Ils sont aussi gourmands que le verre de compost, les composteurs. Avec plus de 500 rendez-vous en France, il y en a forcément un près de chez vous. C'est pas compliqué, il suffit d'avoir la volonté de faire et d'avoir les contenants finalement.